face à Austin Matthews. Bon samedi soir, mesdames et messieurs. Quoi de mieux qu'un affrontement entre les Canadiens et les Maple Leafs? Parce que son taux de réussite dernièrement est exceptionnel. Là. Il oui, marque c'est... à chaque 5 tirs au but. Attention à Matthews, il revient, le tir! Oh, et la rondelle qui revient derrière le filet. Marner, la rondelle lui échappe, va la récupérer, va passer à Riley. Riley plus bas. Nylander derrière, le tir haut de la part de Matthews, c'est raté. Matthews a obtenu 12 tirs au but jeudi contre les Stars. 12 tirs au but, il a marqué deux fois. Oh, tir de loin, la rondelle a été bloquée. Et Gallagher lobe la rondelle. Attention, Anderson qui est rapide. Il veut s'échapper. Il tire arrêt de Chalgren. Pour ce bon tir de Josh Anderson. Et juste pour préciser, là, on exclut Brett Hall, qui est né au Canada, mais qui a la double citoyenneté. Alors, un autre record détenu maintenant par Matthews. On attaque devant la rondelle qui dévie. Gold! 50e but en 50 matchs pour Austin Matthews. Parvient à inscrire 50 buts pendant 50 rencontres et tout ça va se faire. Il y a tellement de mouvements offensivement. Pauvre Jake Allen, et je pense qu'il est blessé. Oui, effectivement, il est blessé derrière la cuisse droite. Ouais. Ce n'est pas un mouvement qui est naturel. Quand la rondelle est déviée, on l'a vu réagir en étirant la jambe pour Jake Allen. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Juste là, il a réalisé l'arrêt par la suite. Petrick envoie pour Dauphin. Et la rondelle devant le banc des Maple Leafs. La rondelle qui va revenir jusqu'à Bunting. Bunting passe pour Matthews qui avance. Matthews, le tir compte! But numéro 58. Il a les deux buts ce soir. Ouais, mais centre de patinoire. Regardez Matthews qui s'amène à pleine rapidité. Il va décocher, lui. Tu vois comment il est menaçant. C'est un bon patineur, Whiteman. Tout ce que tu peux faire, c'est pour pas te faire mal, c'est reculer. Mais en reculant, tu vas lui donner du temps et de l'espace. C'est tout ce que tu veux pas donner à Austin Matthews. Il va te faire payer, mais il est en feu. Il n'y a rien à faire en ce moment. Dvorak qui saisit. Hoffman passe à Petrie. Une passe interceptée et la pénalité qui est terminée. On est à 5 contre 5. L'attaque se poursuit. Christian Dvorak. La passe est pour Petrie. Petrie la passe dans le coin, reçu derrière le filet. Suzuki devant, compte! Joel Edmundson sur une très belle passe de Nick Suzuki, c'est 2-1. Et plusieurs secondes plus tard, bien, ça a mené à cette opportunité. Regardez Suzuki. Kerfoot se positionne, contact avec un rival qui était Harris. John Tavares. Tavares, le tir à rondelle va échapper à Mieyev. Il revient, la passe est complétée. Tavares devant, compte! John Tavares fait 3-1. Les éliminatoires, un petit peu de chance de la part de Tavares en se retournant. Je ne sais pas si cette rondelle va frapper le patin de Jordan Harris près du filet. Je crois que ça va être le cas. Un petit peu de chance en se retournant, mais quand tu envoies des rondelles au filet, eh bien, de bonnes choses vont arriver. C'est exactement ce qui se passe. Une rondelle qui frappe malheureusement le patin du jeune défenseur pour se retrouver derrière. Voici Gallagher à la rondelle. Gallagher remet la rondelle derrière à Hoffman. 7 secondes à la pénalité. Suzuki, une passe. Dvorak, la rondelle soulevée à Gallagher. Gallagher, la rondelle qui dévie. Caulfield le tir. Compte! Encore un autre, Caulfield marque dans un quatrième match de suite, un 18e pour lui depuis le début de la campagne. C'est un tir parfait, partie supérieure. Regardez bien, fraction de seconde, on bouge les mains, on bouge la rondelle. Un tir décoché dans la partie supérieure. Chalgren a même défié ce lancer. Mais c'est tellement un bon lancer, précis, partie supérieure, aucune chance pour le gardien Chalgren. Ben, son objectif, il l'a dit plus tôt ce matin lorsqu'il a répondu aux questions des journalistes. Et la rondelle est transportée par Hoffman. L'indice qui est ramené sur la glace. Attention, Anderson va lancer! Chalgren qui va conserver. Gallagher, attendu par Giordano. La rondelle sort du territoire. Armia. La passe. Gallagher attaque. Gallagher la passe. Arrêt de Chalgren. Un bel échange entre Armia et Gallagher. Il s'est présenté en échappée, mais le gardien Eric Chalgren a effectué l'arrêt. Une rondelle dans le coin, Suzuki la passe devant, la rondelle s'est rendue à la jambière droite de Chalgren. Il y a un dégagement, attention, là Romanov voulait changer, Edmundson était prêt à sauter dans la mêlée. Attaque de Matthews, Matthews de tir, la rondelle arrêtée, le retour de main, on s'en tire bien là. Petrick toujours, la passe pour Hoffman, Hoffman le tire, la rondelle qui rate la cible, la rondelle bondit, voilà. Les Leafs tiennent le coup, les Leafs
leur participation aux séries. Et les Canadiens n'ont jamais abandonné.